Ouais, coucou. On se retrouve pour une... Ouais, excusez-moi. J'ai appuyé sur mon téléphone et ça enregistrait ce que je disais. Donc, hier, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Parce que la première a été longue déjà et elle va être très longue à chercher. Après Hall Action et News, j'ai un Hall géant et la croissanterie. Je vais commencer par celui-là, qui a besoin d'être au frigo. Attends, je vais le poser. La croissanterie, c'est dans la zone commerciale de géant. J'ai été prendre un petit goûter, on va dire. Je me suis pris une part de gâteau cheesecake à framboise. Une tuerie. Je crois que c'est 2,60€. Pas donné, hein. Mais c'est trop bon. Ensuite, hop, il va falloir se mettre au frigo. C'est des fromages blancs à la framboise. Il a besoin d'être au frais. Et j'ai pris aussi un coup. Ça donne faim. Un sandwich. Alors attendez. Si je me rappelle, il y a la moutarde. Il y a du cheddar. De l'émental. De la salade. Et... un truc à la tomate, je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est un sandwich comme ça. Et j'avais envie d'une salade. Ça c'est... là c'est le petit pain et la vinaigrette pour la salade. Salade César. Et là c'est bien, il n'y a pas 3 tonnes de salade comme un Lidl. McDo. Là, c'est la vraie salade César. Donc, elle était à 5,50€. Mais moi, j'ai pris un menu, comme ça, ça revenait moins cher. La salade, le dessert, et le gâteau. Voilà. Il a compris le gâteau, mais le gâteau, je l'ai mangé. Donc, il y a du poulet, des œufs, des tomates, de la salade, et du fromage. Il y a un œuf fauché au milieu. Donc, j'ai pris ça. À la croissanterie. Je remets. Attention. Je ne vais pas faire une omelette avec ça. Et serviette, la croissanterie. Et avant ça, on avait été faire des... je cherchais un... des petits gâteaux Petit Écolier. La marque Petit Écolier à chocolat noisette. Et du sirop de pamplemousse à 0% pour ma tante. Nada, il n'y en a pas, j'en trouve nulle part. Le sirop, c'était un truc d'été. Mais les petits écoliers à la noix de chocolat noisette, j'ai fait 4 magasins, j'en ai toujours pas trouvé. Je désespère. À Cianos, Action, j'ai pris un petit multifruit, hein, il reste plus haut. J'avais soif. Je suis pas fan du multifruit. Mais, comment dire, c'est de l'eau, hein, aromatisée, et ça se boit facilement. Alors, qu'est-ce que j'ai pris à... Il y en a qui vont se foutre de ma poire, je vous le dis. Je voulais essayer les nouveaux, là. J'appelle ça des Kinder 4. Un côté chocolat blanc,
si je me trompe pas. Et un côté Kinder, bah, comme un Kinder, on va dire. Sauf qu'il en fait un gâteau. Donc c'est des paquets individuels. Ça c'est bien. Et il y en a deux dedans. Il y a deux gâteaux dans chaque. Donc oui, la largeur de la boîte, c'est la taille des gâteaux. Ça va, ils sont assez grands. Donc en fait, il y en a 20, puisqu'il y a deux par un. C'est le Family Pack. Donc il doit avoir plus petit. Moi, j'ai pris celui qu'il y avait. Et bien, tu as plus. Ça, c'est géant. Du pain aux noix. Alors, je croyais qu'on pouvait en trouver que dans les boulangeries, c'est que pour les fêtes. Mais on trouve pas souvent. J'adore. Je mange pas souvent du pain. Quand je l'ai dit, moi, je suis plutôt panier. Mais ce que je mangeais avec, bah, plutôt demain, hein, je voulais du pain en noix. Je suis fan de ce pain. Donc là, c'est un 250 grammes. Ouais, ça va que jusqu'au 5. Bah, c'est rapide. 1,80€, il y a le prix derrière. Donc je suis content. Je prends dans l'ordre que ça vient. Une ardoise. Alors, je vais vous lancer, poser une colle. D'après vous, moi, pour que la nettoie, elle est très grande. Qu'est-ce que je vais faire avec ces ardoises? Des colis. Qu'est-ce que je vais faire? Ceux qui me trouvent la bonne réponse, je l'offrirai à la personne qui aura trouvé la bonne réponse. S'il y a plusieurs, je ferai un tirage de sort. Petit jeu parmi la vidéo. Dites-moi en commentaire exactement ce que je vais faire avec. Et le style surtout. Si vous trouvez, elle sera offerte à la personne qui aura trouvé ce que je vais faire avec. Voilà, petit jeu dans la vidéo. On continue les courses. Je suis fan de ces chocolats, mais je suis fan de ces yaourts. Après, il y a plein de marques, hein, des sous-marques, qui sont très bonnes. Mais alors celle-là, la marque Dani, ça s'appelait pas Dani avant. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est du flan au chocolat, tout simple. Il y en a quatre. Ouais, c'est, ça s'appelait pas Dani avant. Nouvelle recette plus fondante. Donc celui-là, j'en ai pris deux. Principalement des yaourts que j'ai pris. Ensuite, mon PC mignon en yaourt. Et ça, j'en mangerai 15 par jour. Alors, j'ai pas trop de l'estomac, je vous rassure. Sauf que je suis fan de ces yaourts. Mais que cela. Cela, c'est noix. Enfin, moi, je dis noix. Mais... Oui, noix et céréales. C'est des paquets de 4 Activia. Mais je suis fan de ces yaourts. Noix et céréales. J'en mangerai, si je m'écoutais, ça fait une journée. Un matin, un midi, un 4 heures, un soir. Je fais gaffe. Celui-là, j'en ai pris deux aussi. Je reçois le deuxième. Ensuite, on va continuer. Voilà, on m'a fait écrire dans le texte. On continue sur les yaourts. Pareil, je suis fan de ces yaourts. Les Smarties. Alors, des mixines, donc c'est yaourt à la fraise avec des Smarties au chocolat. À la base, je suis pas très mélange comme ça.
Mais alors, ceux-là, une période, je ne mangeais que ça et les activés. J'alternais un coup, un coup, l'autre. J'en ai beaucoup, beaucoup mangé. Il y a ceux-là, autrement, la vanille aussi. Je suis pas fan des yaourts. Enfin, une espèce d'aneth yaourt à la vanille. Je suis pas très vanille. À part, j'aime bien le flan. Mais ce qui est yaourt comme ça. Donc, Smarties à la fraise. J'en ai pris un. Donc, ça, c'est pas des yaourts. Hein, c'était nos aussi, j'ai oublié. Une tirelire Tagada. J'ai trouvé trop mignonne. J'en ai une tirelire. C'est Haribo qui fait ça. Il est trop belle. Regardez. Oui, avec celle-là, par contre. 1,99€. Elle est trop mignonne. Tagada. Tagada de toi, il est marqué. Elle est trop belle. Ça, c'est nos. J'ai oublié. J'adore ces. Je voulais des crevettes. C'est pour ça que j'ai pris du pain, moi. Je voulais des crevettes comme ça, mon couronne. Sauf que. Je sais plus quelle marque d'ailleurs. 5€ et quelques. Je fais. Oh. Non, non, c'est plus cher que chez moi. Déjà que je les trouve cher chez moi, mais. Moi, j'ai pas de géant à côté de chez moi. C'est Intermarché ou Super. Donc je dis c'est cher, je ne mettrai pas ce prix-là. Sauf que parmi les marques, je ne sais plus quoi, il y avait, ben voilà, c'était 5,50€. Et moi j'ai payé 2,75€. 50% parce que c'est des dates courtes. Il faut les manger aujourd'hui. Demain, elles seront très bonnes. Donc du coup, comme c'était à moins 50%, ben, j'en ai pris deux. Comme ça, j'ai deux fois le prix une. Et... Alors... C'est à moi là-bas, ils appellent ça des dames blanches, mais c'est de la meringue. Je suis fan de meringue, vous le savez. Alors là, je vais en donner une à Marie-Pierre parce que là, il n'y a pas de chocolat dedans, donc ça va. En fait, à la base, c'est des meringues. Ils appellent ça des dames blanches aux amandes. Il y en a deux plus une gratuite à 2,10€. Vous avez vu la taille? J'essaye de pas d'écraser. Vous avez vu la taille? Mon Dieu! On voit mieux en dessous. Regardez la taille des morins. Oh, on voit que c'est trop éloigné. Franchement, quand j'ai vu ça, je fais... Oh, boulou! À la base, je voulais juste prendre du... Du pain et un peu yaourt. Faut bien faire un peu plaisir. Et puis c'est pas souvent géant. Ça fait des années que j'avais pas été en ce magasin. Donc ça, ça va être une tuerie. Et dernier truc, il y en a qui vont rigoler. J'avais trouvé qu'un petit pot une fois à Lidl. Et vu comment j'ai payé le grand, je me dis j'aurais dû prendre un grand direct. Donc c'est un pot de 1 kg. Je vous rassure, je vais faire très longtemps, très longtemps. J'en mange très peu, hein, c'est pas... Je suis pas mon plus près de chocolat. Sinon, j'aurais une crise de fouette longtemps. Mais je fais très très longtemps avec. C'est bon jusqu'en mars 2021. Moi je me surprends parce que hop ça va tomber l'eau. Je me surprends parce que l'autre il reste plus que ça. Et c'était le petit pot à Lidl. Donc il y a bien
Il y a bien 3 semaines hein, que j'ai été. Oui, j'en ai encore. Je vais aller faire au moins un mois et demi, 2 mois. Donc voilà. Le reste, hein, c'est les doux, on va dire, yaourt et crevettes. Donc voilà, petite vidéo. Un retour de course. Et comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, la personne qui trouvera ce que j'ai décidé de faire avec et le style. Après, je vous dis pas le style, ce que je vais faire avec, comment je vais utiliser cette ardoise tout simple d'écolier, en qui est crado, mais je vais nettoyer. Et ben, je l'offrirai à la personne, une fois que j'aurai fait. Je l'offrirai à la personne qui aura trouvé la bonne réponse. S'il y a plusieurs, il y aura un tirage au sort. Donc, j'ai trouvé mon prime écolier, fourniture scolaire à Gérard. Donc voilà, je vous laisse me donner la réponse en commentaire. Et on verra si vous trouvez la bonne réponse. Je vais la mettre, je sais pas où. Ma mère. Donc voilà, petite vidéo retour de course géant et la croissanterie. Moi je vous souhaite une bonne fin de soirée et demain j'ai décidé de faire du DP. J'en ai 2 à faire pour Noël, il faut peut-être que je commence. Et bon, je vous ferai une vidéo demain, mais je ferai un petit haut demain, mais je ferai la vidéo demain matin pour vous prévenir. Et il y a aussi ce week-end, je pense, je ferai le tirage au sort pour le défi d'Halloween pour savoir avec qui je vais faire le swap Halloween. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas le la petite question sur l'ardoise. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.